Il est 20h15 tapante lorsque la Brabançonne résonne dans la maison communale de Gansoren. La salle du conseil est pleine à craquer. Il a même fallu prévoir des tentes pour une diffusion à l'extérieur et des caméras du monde entier immortalisent la première de Pierre Compagny comme bourgmestre. Prestation de serment au programme, on veut oublier les tensions de la législature précédente. Effectivement, ça change, c'est des partenaires de confiance, des partenaires qui travaillent à un projet aujourd'hui et on partage une vision commune. Je pense que l'installation d'aujourd'hui démontre que l'ambiance est au rendez-vous. Et parole de bourgmestre, il va falloir s'y faire. Oui, mais ça va se passer comme ça, ça va se passer comme ça. Oui, parce que je ne vais pas changer. Changer, je crois, m'étoufferait. À fond sur sa commune, mais Pierre Compagny sera candidat à la région en mai. Il veut placer Gansoren sur la carte politique bruxelloise. Et j'ai constaté que les bourgmestres qui avaient des communes plus grandes que la mienne, plus peuplées que la mienne, étaient parmi les gens qui avaient quand même quelque chose à dire au Parlement. La nouvelle législature gansorenoise voit aussi apparaître le tout premier échevin de la transparence en Belgique. C'est un fameux défi, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que Gansoren est classé dernier en termes de transparence et de bonne gouvernance par Transparencia. Et donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'essayer qu'on arrive maintenant à être un peu mieux classé. Et ça passe par des choses très simples. Donc déjà, qu'il y ait un cadastre des mandats qui soit clairement mis sur le site internet. Dans l'opposition, la NVA fait son entrée au conseil communal. Un mot-clé, une opposition constructive. Vous vous sentez pas trop seul ? Non, pas du tout. On est le plus grand parti, je ne veux pas dire à Bruxelles, mais on est le plus grand parti en Flandre. Je joue mon rôle ici dans le conseil communal, mais je veux bien travailler en coopération avec la majorité. Devenu un symbole, Pierre Compagny doit maintenant convaincre et sans tarder, parce qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il passerait le relais d'ici 3 ans.